se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour un test. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc alors aujourd'hui, ça va être le test de ceci. Donc vous avez vu dans le titre, ça va être le push-up drama de Je mets Maybelline. Et franchement, depuis que je vois la pub, j'ai trop envie de le tester. Donc mettez-moi en commentaire si vous l'avez testé ou non. Mais là aujourd'hui, ça sera une vidéo test. Donc en fait, j'en ai pas encore vu sur YouTube. Après, je ne suis pas toutes les youtubeuses du monde. Donc après, je ne sais pas du tout s'il y en a qui en ont fait ou quoi. Mais moi, je vais le faire aujourd'hui pour vous parce que je l'ai acheté à Leclerc. Donc pour ceux qui veulent savoir, nous sommes le 20 février. Je l'ai acheté le 19. Donc voilà. Et je vais vous faire le test. Donc c'est parti. Donc le tube se présente comme ceci. Enfin, le mascara. Donc alors, il est beau. En plus, il y a du rouge. J'aime bien. Ça fait comme un effet de papier cadeau. Vous savez, le papier cadeau un petit peu... qui est super chiant à utiliser d'ailleurs, j'aime beaucoup. Alors là, ça fait rouge, après vous avez une sorte de truc comme ceci, et après ça fait une couleur rose. Donc alors j'aime beaucoup, et on va regarder l'intérieur parce que moi je ne l'ai pas vraiment vu. Donc c'est parti. Et des petits picots comme ceci, tout simplement. Donc on l'utilise maintenant. Je vais faire comme mon mieux parce que malheureusement ma Allegria n'a pas de zoom. Ou à moins que je ne sais pas encore bien m'en servir. Mais bon, c'est pas très grave, je vais essayer de me rapprocher au mieux. Donc comme vous avez pu voir, je me suis maquillée avant, je me suis fait un léger maquillage. J'aime beaucoup faire ça maintenant, mettre un fard un peu plus foncé ici. Et puis bon, bref, c'est pas très grave. Et là, on va commencer l'application de ce mascara. Alors j'ai un petit peu peur parce qu'à la base, je suis un petit peu une quiche. Mais bon, c'est pas très grave. Donc on va commencer doucement. Déjà voir la différence entre les deux. Moi personnellement, je trouve qu'il est quand même assez bien pour l'instant. Donc je suis un petit peu quiche en mascara, donc j'en ai un petit peu, j'ai bavé un petit peu, mais ça c'est pas très grave. Je vous conseille de pas mettre de couche parce que ça ne sert à rien. Donc là, je vais vous faire montrer l'autre œil. Enfin, je vais faire l'autre œil en attendant, puis je vous retrouve après. Voilà le résultat après avoir mis du mascara sur l'autre œil. Franchement, ce mascara, je suis un petit peu surprise et j'en suis assez contente. Donc alors, je vais essayer de vous rapprocher ça pour que vous voyez un petit peu. Mais franchement, j'aime beaucoup le résultat. Et je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Alors tout d'abord, je le trouve vraiment très beau. Donc déjà, j'aime beaucoup le packaging. Donc ça encore, c'est pas très très important pour moi les packaging. Mais c'est toujours un petit peu cool d'avoir un truc assez original. J'aime beaucoup les deux couleurs différentes. Donc voilà, c'est pas très très important, mais moi j'aime bien. Ensuite, en ce qui concerne l'application, alors je suis un petit peu nulle en application de mascara. Vous avez déjà vu le voir et je vous l'ai dit je ne sais combien de fois. Mais lui ça va, il s'applique assez facilement. Le seul petit bémol, c'est que il y a beaucoup trop de matière d'un seul coup. Et ça fait quelques petits paquets à chaque cil. Mais à force, quand vous l'appliquez, quand vous mettez un petit peu, quand vous essayez de mettre tout ça en place, ça se fond un petit peu dans la masse. Et ça, je trouve ça assez cool. Et le truc qui est bien, c'est que à la base, je suis obligée de mettre deux mascaras en fait. Donc à la base, je mets celui-ci. Donc alors ça varie, hein. Des fois c'est un autre, mais moi j'aimais bien celui-là parce que les picots sont assez fins comme vous pouvez le constater et il n'y a pas beaucoup de matière, donc ça m'aidait en fait de sorte de recourbe cils. Et après je mettais un autre mascara un petit peu plus avec un petit peu plus de matière, mais lui il fait les deux en même temps et c'est ça que j'ai aimé. Et on n'a pas besoin de mettre un autre mascara après. Après, comme je vous ai dit, le petit problème que j'ai avec mes cils, c'est que au début ils ont une belle forme et je sais pas pourquoi ça retombe. Donc c'est peut-être parce que je ne sais pas encore bien le mettre. Mais j'ai aussi un petit problème, c'est que il y a cet œil là je crois, ou l'autre, je ne sais plus. Il me manque des cils, donc ce qui fait que c'est pas régulier, c'est pas du tout la même longueur de cils. Donc ça fait un petit peu moche, mais bon après ça c'est pas très grave. On fiche, ça repousse, mais franchement j'aime beaucoup ce mascara. Il donne un très très beau volume et moi j'aime beaucoup comme vous pouvez le voir. Enfin après je sais pas si vous voyez bien, mais moi j'aime beaucoup, ça change vraiment. Et enfin franchement j'aime bien, je peux qu'en dire que du bien de ce mascara. Après comme je vous ai dit, ça fait des petits paquets, mais après à force de bien le mettre, ça va bien. Et vous appliquez une fois et vous voyez déjà toute la matière sur votre cils. C'est pas comme si il faut rajouter je ne sais combien de couches. Une couche ça suffit, j'en ai mis qu'une de couche, donc voilà. Et franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, que du bien pour ce mascara, franchement allez-y.
allez l'acheter si vous voulez. Donc moi je l'ai acheté à Leclerc pour celles ou ceux qui sont intéressés. Et je l'ai payé 6,78 € au lieu de 9 € et des brouettes. Donc déjà même 9 € c'est déjà bien pour un mascara comme ça. Après, il y en a trois styles différents, pardon, excusez-moi. Il y a celui-ci, je ne sais plus c'est vraiment lequel. Là c'est le fossile. Il y a plume, enfin je sais plus quoi. Il y a beaucoup, il y a deux autres trucs comme ça. Mais après je sais plus trop. Moi j'ai pris celui que je voulais tester et franchement je suis pas déçue. Et franchement, ben voilà, j'adore. Après, comme je vous ai dit, mes cils sont un petit peu spéciaux, donc c'est un petit peu chiant. Je ne suis pas une experte pour le mascara, mais ce qui est un petit peu décevant, c'est que quand vous regardez la pub et que vous le faites vous-même, c'est pas du tout pareil. J'ai pas l'impression d'avoir des faux cils. Enfin, quand vous voyez la pub, la fille, elle a des faux cils et l'autre, ben, c'est le mascara. Ça fait exactement pareil. Je ne sais pas vraiment si c'est un petit peu pour faire vendre, qui font un petit peu exagérer comme ça, ou sinon c'est peut-être parce que la personne ben, l'applique super bien, tout simplement. Moi après j'ai pas encore la technique, à chaque fois j'ai un petit peu peur de baver sur ma paupière, donc ben, j'évite, je le fais assez doucement, mais sinon je suis très 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 contente de ce mascara. Voilà, c'est tout pour ma vidéo test de ce mascara. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je suis désolée, pardon, de la manière dont je parle, mais ça fait un bon moment que j'ai pas filmé. Et de reprendre comme ça la caméra, ben, j'ai du mal à parler, je suis vraiment désolée. Et pour celles ou ceux qui ne savent pas, mais j'ai trouvé un travail, donc voilà, dans le ménage si vous ne savez pas et si vous voulez savoir. Et pour l'instant ça se passe très bien, c'est assez fatigant. Là en ce moment je suis en week-end, donc c'est un petit peu l'occasion pour faire une vidéo. Je quitte quand même assez, entre guillemets, pas tard, mais entre 18h, 5h30, donc c'est un petit peu compliqué. Après, pour faire une vidéo, j'ai juste envie, c'est de me reposer, mais je fais le plus de vidéos possible le week-end, parce que bah, c'est le seul moment où j'ai, mais ça va, j'ai des vidéos en avance, donc ça, c'est pas très grave, et bon, moi, vous serez pas sans vidéo, mais là, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, parce que bah, je l'ai trouvée hier, et là, franchement, je l'aime beaucoup. Après, ce qui m'embête, c'est que c'est comme si que j'appliquais un mascara normal parce que quand je vois mes cils, ça fait pas. J'aimerais bien que ça fasse courbé, beau, etc. Là, on dirait que ça fait un petit peu du gros n'importe quoi. Enfin, bref, moi j'aime beaucoup quand même. Ça me donne du volume pour une fois qu'on voit mes cils. C'est merveilleux. Comme je vous ai dit, cet œil-là, il me manque des cils. Donc, ça fait pas très très régulier. Mais après, c'est pas très grave. Ça repousse. Et enfin, franchement, j'adore. Donc, allez-y, allez l'acheter. Et puis, ben voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi si vous l'avez aimé. Donc, voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo.